Je suis l'agent 1. Je suis l'agent 2. Du bureau disciplinaire de la Super League. Comment puis-je vous aider, messieurs? Vous savez, là, j'ai un match à préparer. Désolé, coach. Mais vous n'allez pas pouvoir jouer ce match. Oh, vraiment? Et pour quelle raison, juste? Votre licence de coach a expiré. Permis de coacher. Est-ce qu'on pourrait régler ça plus tard? Il faut que j'aille préparer mon équipe pour le... Article 843 du règlement de la Ligue. Les coachs dépourvus de licence ne peuvent entraîner d'équipe sous aucun prétexte. À présent, si vous voulez bien nous suivre, monsieur. Coach sécurisé. Nous nous dirigeons vers le quartier général. Coach mec, où c'est où? Au quartier général de la Super League. Paraît-il que ma licence de coach ne serait plus valable. Quoi? Je dois repasser le test de coaching de la Super League avant de pouvoir retrouver mon statut. Non, il vous demande à vous de renouveler votre licence? Je croyais que le coach était né avec moi. Claire, je veux dire, même les autres coachs vous appellent coach. Et le plan de jeu pour affronter les Iron Tanks? Ouais, c'est vrai. C'est qu'on en a besoin, nous, coach. Ah, je ne suis pas autorisé à vous donner le moindre conseil. Mais ce que je peux vous dire, c'est... que cette histoire, c'est comme une clé sur une porte. Pas de raison de vous mordre les dents. Du lait et tout ira bien. Désolé de vous laisser la tête dans les buissons. Je dois vous laisser. Je vous rappellerai dès que j'aurai terminé. Mais le match commence dans... Bienvenue au quartier général de la Super League. Peut-être que c'est aussi bien que le coach se soit fait lourder. Parce que si son speech était censé nous motiver, moi je veux bien être pendu. Ça n'avait ni queue ni tête. Peut-être que ce n'était pas sa vocation. Alors quoi? Ce serait une sorte de code ou un truc du genre? Une clé sur une porte, se mordre les dents... Tu l'es et tout ira très bien. La tête dans le buisson. Clé dans les buissons. Très cher candidat, veuillez me donner votre nom et expliquer pour quelle raison vous souhaitez passer ce test d'entraîneur. Tchuss, moi c'est Elena et je veux devenir la plus grande coach de la Super League de tous les temps. Et tripez tous ceux qui voudront m'en empêcher. Suivant. Bonjour, je m'appelle Norman, ou Norm, ou comme ça vous chante en fait. Je suis là en raison de mes compétences dans le domaine de l'innovation tactique. Et pour terminer, monsieur? Monsieur? Je suis coach. Et je suis ici parce qu'il se trouve que j'ai un match à gagner aujourd'hui. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Parfait! Le coach a envisagé trois méthodes pour venir à bout de la défense de Iron Tank. Bien joué, coach! Mais il nous faudrait quelqu'un avec des compétences innées d'entraîneur pour interpréter ces tactiques. Laissez-moi passer. Faut suivre ces lignes qui zigzagent, faire attention à ces énormes X. Ils ont l'air très dangereux. Ah c'est non, mais t'es sérieux, mon père? N'importe quoi. Les mecs, El Matador a raison. Ces X sont les choses les plus dangereuses de toute la Super League actuellement. C'est jour de match à Strike Alarms. Les troupes du colonel Von Push-Up sont venues à bout des meilleurs attaquants de la Super League avec leur toute nouvelle formation défensive. Il va falloir un bel éclat de génie de la part de coach pour remporter ce match. Mais peut-être devrait-il déjà commencer par être présent à ce match. Que pourrait-il avoir de plus important à faire qu'être là?
Aujourd'hui, nous allons vérifier que vous avez ce qu'il faut dans le ventre pour être un coach de la Super League. Et le fait que j'ai remporté la coupe par 3 fois, ça ne compte pas, c'est ça? Les règles sont les mêmes pour tous. Je dois l'avouer, coach, je suis surprise que vous ayez laissé votre licence expirer aussi bêtement. Alors, pour autant que je sache, ce n'est pas le cas. Ne faites plus un pas, monsieur. Vous savez que mon équipe joue en ce moment même, enfin! Comment suis-je censé suivre le match? Je suis de tout cœur avec vous, coach. Croyez-moi, je suis sincère. Mais... Les règles sont les mêmes pour tous. Les Super Strikers passent à l'offensive! Mais ils doivent réussir à se frayer un chemin au travers de la formation défensive ultime! Deux lignes, deux grands opposants et un imposant colosse! Le rideau de fer! Tactique numéro 1. On fait un, deux autour du rideau de fer! Oh! C'est une tactique très affûtée que nous offrent les Strikers! Mais pas assez affûtée pour déchirer le rideau de fer! Le colonel Von Bouchard remporte la première manche de cette bataille tactique! La victoire est malgré tout facile quand votre adversaire n'est pas présent! Faire le bon choix tactique au bon moment est la clé de la victoire! Pour ce premier test, vous devrez adapter la formation de votre équipe pour remporter des scénarios générés par notre ordinateur. Ce qui sera un beau challenge même pour vous, coach. C'est fait. Excellent travail! Bien, essayons un scénario un peu plus difficile dans ce cas, voulez-vous? Oh, encore juste? Et si on essaye ça? Et c'est tout ce que vous avez? Il les a tous réussis haut la main. C'est quoi la suite? J'ai l'impression que rien qu'à son contact, il a fait de moi une meilleure coach. Tu crois qu'il m'autographierait le visage? Les Super Strikers passent à l'offensive une fois encore! Pourront-ils faire mieux cette fois? Tactique numéro 2! On fait passer la balle au-dessus du rideau de fer. Ouh! Encore une fois, voilà qui semble prometteur pour les Strikers! Mais une fois encore, le rideau se ferme juste sous leur nez. On dirait bien que Coach a donné des instructions à son équipe. On n'était pas du tout préparé à ça. Ne t'inquiète pas. Sans lui ici pour donner les consignes, les Super Strikers doivent se préparer à baisser le rideau. Le second exercice va vous obliger à affronter les adversaires les plus vicieux et redoutables qui existent dans le monde du football. La presse. Un petit moment, je vous prie. J'ai oublié mon nouveau mot de passe. Est-ce que vous avez essayé 1, 2, 3, 4? Au mot de passe, j'utilise toujours celui-là. Vous avez essayé d'éteindre et de rallumer? C'est pas le genre de protocole de sécurité qu'on s'attend à trouver au quartier général de la Super League, ça. Ouais, il y a comme un truc qui cloche. Vous voulez dire quoi? Pour pouvoir devenir coach, il y a besoin de 3 choses. De motivation, de la tactique, et un instinct qui vient des tripes. Et mes tripes sont plus dérangées que quand j'ai mangé un sandwich retrouvé dans le bus des Strikers après 1 an de match. C'était un pari tactique. Maintenant, écoutez-moi. Là, j'ai très peu de temps pour chercher à comprendre ce qui se trame ici. Et je serais ravi de pouvoir m'appuyer sur 2 coachs assistants. Ok, ça fonctionne. Qui commence? Norman. Première question. Vous vous apprêtez à affronter les Invincible United. Comment comptez-vous gérer la Donescara?
À vrai dire, j'ai deux ou trois petites idées. Je m'appuierai sur les milieux de terrain défensifs pour empêcher Skara de contourner notre ligne défensive. Alors, mes latéraux couperaient court à toute tentative d'intrusion dans les espaces laissés ouverts. Et quand Skara est à l'avant, ils sont derrière lui. Et quand il est à l'arrière, ils sont devant. Est-ce bien clair? Parfait! Bien, dans l'étape numéro 2, les choses deviennent un peu plus délicates, dirons-nous. Dites, est-ce que vous allez me dire ce qui se passe? Je ne pense pas que ma licence ait expiré par hasard, mais il me faut des preuves. Tu l'as et tout ira bien. Hein? La tête dans les buissons. Tout ça n'a aucun sens. Arrête de te prendre la tête avec ça. C'est pas ton boulot, ça, agent 1. Et où est-ce qu'on va la trouver, cette preuve? La vidéosurveillance, mais bien sûr! Quelque chose me dit que cet examen ne prépare pas à tout ce qu'implique le poste de coach. Vous n'imaginez même pas à quel point. Ah! Nous devons absolument trouver la carte d'accès. Pas nécessairement. Parfois, la force est le meilleur moyen de venir à bout d'une défense solide. Très bien. Commençons déjà avec la nuit dernière. Est-ce que vous arrivez à suivre tous ces écrans en même temps? Ah. Quand vous avez à analyser 5 heures d'enregistrement de match par jour, vous vous y habituez vite. Il y a eu une panne? Ou bien quelqu'un a cherché à effacer ses traces. Il semblerait que les Irons sont heureux de rappeler qu'ils sont les chefs ce soir. Et les Super Strikers semblent ne pas savoir comment éviter une défaite cuisante à domicile. Tactique numéro 3. Forcer la défense à dégager un espace au centre. Je me chargerai du reste. Les Super Strikers lancent une attaque massive. Les Dunsay Rasta semblent ne pas savoir où faire la passe. Mais c'était en fait une feinte! Et les Iron Tanks, ce sont les savoirs! Oh, il s'en est fallu de peu! Mais la défense des Iron Tanks est impénétrable! C'est maintenant et plus que jamais que les Super Strikers auraient besoin de leur coach! Est-ce que vous vous rappelez seulement de ce que je vous avais dit tout au début de la première période? Apparemment pas, parce que vous m'avez fait de la daube! Ça a été? Ah, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie, là. Coach, c'est à vous. Le bilan de la mi-temps est l'une des parts les plus importantes du travail de coach. Et la toute dernière épreuve. C'est amusant, voyez-vous. J'avais préparé un speech, mais il n'était pas pour vous. Il est pour mon équipe, là-bas, qui se bat et se démène sans pouvoir compter sur moi. Et le pire dans tout ça... c'est qu'on m'a piégé. Le trou dans la vitre. Les nouveaux mots de passe. Les vidéos de surveillance effacées. Vous avez subi une effraction. Et ma licence qui expire comme par hasard le jour où mon équipe doit affronter sur notre terrain les Iron Tanks, il suffit de lire entre les lignes. Enfin... entre les lignes, bien sûr. Vous êtes sur la ligne de coach. Pourquoi est-ce que vous m'appelez? C'est jour de match, bon sang. Courage, les gars! On va pas abandonner maintenant! Tout ce qu'on a à faire, c'est... Non, je trouve rien là. Ah, c'est que le boulot de coach, c'est... content. Elena, Norman, je crains malheureusement que vous deviez réessayer. Coach, vous avez vraiment, vraiment
Très bien réussi. Oh! Hé! Hey, vous allez même pas sauter de joie ou fêter ça? Il ne reste que 5 minutes avant que la seconde mi-temps ne commence. Si je n'ai rien à dire à mes gars là tout de suite, alors je ne mérite pas d'être coach. Avec ou sans licence. Est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé... un moyen de faire tomber le rideau de fer? Vous venez ou quoi? N'abandonnez pas les mecs. Coach va réussir à trouver une solution pour nous. Je le sais. D'accord. Voilà comment nous allons procéder. Norman, je veux que vous étudiez mon nouveau plan de jeu. Ah, ce serait... un grand honneur. Elena, trouvez-nous le moyen le plus rapide de retourner à Strikerland. C'est déjà fait! Je dois quand même vous prévenir, je conduis comme je coach. Nous sommes à présent dans la seconde mi-temps. Il semblerait que les Super Strikers soient à présent à court d'idées. L'issue de ce jeu est déjà sous presse dans les journaux spécialisés. Basta. On dirait bien que c'est jeté que sa main pour vous, non? Et pour votre coach? Les Super Strikers ont épuisé toute leur tactique. On attaque! D'un seul coup, les Iron Tech décident de se réveiller. Parviendront-ils à décocher le coup fatal dans les dernières minutes? Non mais attends, Coach n'a dit que 4 misérables phrases. C'est quoi cette histoire de tête dans les buissons? Je crois vraiment que ça cache quelque chose si tu veux m'arrêter. Arrête à présent, ça suffit. Tu commences à me courir là. On reste là, Coach. Article 8.43 du règlement. Les coachs dépourvus de licence ne sont pas... Hein? Article 1er de mon stade. Dégagez vite de mon passage. L'attaque des Iron Ten prend à présent plus d'ampleur. Wow! Voilà qui s'appelle une entrée remarquée. Mais coach parviendra-t-il à amener son équipe à terminer ce match avec panache? Relax. Il n'y a aucune chance qu'il puisse débarquer avec une nouvelle tactique. Il n'aura pas eu le temps pendant l'examen. Comment ça se passe, messieurs? Pas très bien, là, coach. Aucune de nos tactiques n'a marché. Alors, si passer sur les bords, au-dessus et à travers du rideau de fer n'a donné aucun résultat, on va se glisser entre les lignes. Tactique numéro 4. On se faufile dans l'espace entre les deux lignes du rideau de fer. On asticote les tanks pour les forcer à tenter une action. Ensuite, on s'engouffre dans la brèche. Les Super Strikers parviendront-ils à réaliser ce sur quoi ils ont échoué pendant tout le match? Concrétiser leur action? Ils semblent vouloir se glisser entre les deux pans du rideau! Johan Huber ne sait pas s'il doit conserver sa position ou tenter quelque chose. Allez, bouge, allez! Pendant combien de temps il faut avoir été coach avant d'arrêter d'être aussi stressé par un match? J'aimerais le savoir. On a assez joué à présent. Les Super Strikers ont finalement réussi à faire voler un éclair rideau de fer! Bien joué, ma sœur. Vous avez fait du beau boulot tous les deux. Mais vous avez encore beaucoup de choses à apprendre si vous voulez devenir des coachs en Super League. Ouais, parce que devoir affronter coach, ce sera l'examen le plus difficile que vous aurez à passer. Bienvenue au quartier général de la Super League. Du fait d'une faille dans la sécurité, nous avons décidé de réexaminer l'ensemble des coachs. C'est vraiment ridicule, sérieux. Blague! Je suis de tout cœur avec vous, très sincèrement, croyez-moi. Mais
Les règles sont les mêmes pour tous. Ah, j'ai vraiment hâte d'arriver au Floating Stadium. Le soleil. Le surf. Le buffet de fruits de mer à volonté. Ce stade flottant n'est pas si cool que ça. Ça n'a évidemment pas le moindre rapport avec le fait que Liquido joue ici. N'est-ce pas? Non. N'empêche que ce type n'est rien qu'un sale trimeur. Sérieux, arrête, vieux, là. Écoute, vous êtes en compétition permanente, tous les deux. Ton capitaine a raison, Norshaw. Ne laisse pas ta rivalité prendre le pas sur ta responsabilité au sein de l'équipe. Il est où, le Floating Stadium? Le voilà qui arrive, justement. Ok, d'accord. Ça, c'est carrément cool. Responsabilité en eau profonde. Hey, North. Liquido. Alors, comment vas-tu, mon frère? T'es encore plus lent que quand t'es sur le terrain. Et tes blagues, elles sont encore pires que ta façon de surfer. Très bien, votre attention, s'il vous plaît. Prêt pour aller visiter les installations? Le Floating Stadium a connu un grand nombre d'améliorations majeures depuis notre dernière visite. Notre objectif est de parvenir à rester en immersion pendant un mois complet. Notre oxygène est directement extrait de l'eau de mer. Les nutriments issus des algues nous fournissent la nourriture. Puis cette piscine est notre accès direct à l'océan lorsque le stade est immergé. Wow! Et ça, c'est quoi? Des modules aquatiques à propulsion. C'est pour les travaux de maintenance sous-marins. Nous, les pros, on appelle ça un MAP. Mais je crois bien que pour toi, ce sera le nom complet. Puis ici, vous découvrez notre dernière trouvaille. Ce ballon convertit l'énergie cinétique en électricité. Peut-être qu'un jour, nous serons en mesure d'alimenter le stade tout entier grâce au football qui se jouera dans son enceinte. Puis pour finir, la salle des commandes. C'est ici qu'on supervise l'ensemble des opérations liées au stade. Ce qui comprend l'immersion puis la flottaison. C'est dommage qu'il n'y ait pas de bouton pour faire de toi un meilleur joueur. Ah ouais? Oh ouais! Ouais, c'est ça! Ouais, c'est ça! Norshaw! Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de ta rivalité avec... Monsieur Delacroix, orage catégorie 5 en approche. Ah, quelle meilleure manière d'achever notre visite. Vous êtes sur le point d'expérimenter l'une des plus grandes merveilles du monde. Ursula? Les Hydras sont l'équipe la plus rapide de la Super League. Grâce à leur rythme soutenu, ils parviennent à enfoncer la défense adverse. Laissez la moindre ouverture et ils s'engouffreront dedans. Les défenseurs, vous resterez en formation constamment. Vous ne vous mettrez à tacler qu'en cas d'absolue nécessité, compris? Vous en faites pas, coach. Je vais m'occuper de ce blaireau de Liquido. Je ne m'intéresse pas à ta petite guéguerre contre Liquido. Ce qui m'importe, c'est que vous jouiez en unité défensive. Shakes, Tiger... Offrez aux défenseurs tout le soutien que vous pourrez. Wow. Wow. Oh.
Très beau travail, les défenseurs. Enfin. On déchire, mon pote. On déchire. Leur défense m'a l'air vraiment très solide. Mais je sais comment pallier à ce problème. Une bonne ration d'extraits protéinés d'algues. Bon appétit, c'est chouette la bouffe du futur. Où est passé le délicieux buffet de fruits de mer? On l'a supprimé. La poiscaille ne supporte pas bien l'atmosphère confinée de cet endroit. Tu peux oublier les fruits de mer, Big Bo. Ha, j'ai quelque chose qui est de loin bien meilleur. Des Ocean Bounties. Tentacule Team serait prêt à tout tenter pour poser ses ventouses sur ces délicieuses céréales. Prenez garde à lui dans l'obscurité des profondeurs. Leur ingrédient secret est un véritable délice. Leur ingrédient secret, c'est du sucre. North Shore. Liquido. Quel dommage qu'on soit coincé à l'intérieur, mon frère. Autrement, j'aurais pu te donner quelques leçons de surf. Nargue-moi autant que tu veux, Liquido. Ça ne marchera pas. Si tu veux pêcher, t'as tout ce qu'il faut juste là-dehors. En parlant de dehors, justement, je me suis mis à un tout nouveau sport extrême, figure-toi. La course de map. Wouh! C'est vraiment intense, les sensations qu'on a. Mais ça doit être un peu trop extrême pour toi, non? Je savais que tu ne refuserais pas un défi extrême. On fait le tour du stade et on revient par en dessous. T'es prêt ou pas? Un peu que je suis prêt. 3... 2... Oh! Liquido! Double ration d'algues, rien que pour toi. Quoi? Tentacule Team serait prêt à tout tenter pour poser ses ventouses sur ces délicieuses céréales. Prenez garde à lui, dans l'obscurité des profondeurs. J'aime pas ça, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Bien tenté, mec. Mais si tu penses à m'avoir, t'es vraiment à côté de la plaque. Ça doit être carrément embarrassant. C'était trop facile. Ouais, c'est facile quand tu triches. Oh, Liquido. Hein? Oh oh. Tentacule Team n'existe pas en vrai. Tentacule Team n'existe pas en... C'est Tentacule Team qui arrive. Liquido, j'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Votre attention, tous les joueurs sont attendus sur le terrain immédiatement.
Ah, le coach va sûrement être furax quand il va apprendre que c'est toi le fautif. Ouvre les yeux, mec. On va tous les deux s'en prendre plein la tronche. Il y a peut-être intérêt à se la jouer discret sur ce coup-là. Ouais, on fait en sorte de bien la fermer l'un et l'autre, et je pense que tout ça passera crème. Est-ce que tout le monde va bien, personnel ici? Il y a un dysfonctionnement dans notre système central. Seulement, je m'explique pas pourquoi. Moi, oui. C'est incontestablement l'œuvre de... Tentacule Team! Oh. Non, sérieux, mon frère. Vas-y vraiment mollo sur le sucre. Ce qui signifie malheureusement que nous n'aurons pas assez d'électricité pour remonter à la surface. Quoi? Mais pas d'inquiétude. Le stade peut aisément faire face à la situation jusqu'à ce que le circuit soit réparé. Mais le match est dans quelques heures. Et alors? On n'a qu'à jouer quand même. Mais les supporters en ont fait quoi? Comment est-ce qu'ils vont faire pour m'admirer en train de marquer? Ça, c'est mon boulot. Dez, de l'équipe de football 360. Yes! Peu importe où on joue, je suis sûr que les supporters seront derrière nous. Tu dois vouloir dire au-dessus de nous. C'est jour de match en direct du Floating Stadium. Enfin, plus précisément, depuis au-dessus, pour tout dire. En effet, Brenda, le stade pourtant impressionnant des Hydra est piégé sous le niveau de la mer, mais il se déroulera bien conformément au calendrier. Et vous ne perdrez pas une seconde de ce match grâce à notre précieuse équipe de cadreurs qui se résume à une personne. Ouais, ouais. Wouhou ouais. Wouhou. Et c'est parti. Et Hydra impose immédiatement son rythme en contournant la ligne de milieu de terrain des Super Strikers. La défense, maintenez vos positions. Est-ce que la défense s'en sortira mieux face aux Hydra que leurs coéquipiers? Oui, oui, et encore oui. North, Block et Eagle Eye possèdent parfaitement leur territoire. Ce, en dépit du fait qu'ils soient sous l'eau. Ah, leur défense nous donne du fil à retordre, les gars. Y a pas une seule brèche où on peut s'engouffrer. Ah! Pas de panique! Je sais ce qu'il faut faire pour que North Shore relâche son attention. Ben quoi, North? T'attends quoi au juste, mec? Garde ta position! Viens la chercher, cette balle! North! Qu'est-ce que t'as, blondinet? T'as peur de perdre contre moi? Exactement comme t'as perdu lors de cette course. Ah! Ah! Abruti! Ah! Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de North? Il a abandonné ses équipiers, les laissant totalement exposés. But! Les Hydra prennent la tête de cette rencontre. Wouhou! On est les meilleurs! Ouais, ouais, bravo! Ouais! Non. Blablabla. Les Quido! Les gars, si j'étais leur coach, j'envisagerais la suspension de North. Il semblerait même que ce soit l'équipe entière qu'ils suspendent. Et je crois savoir pourquoi. La verrière du Floating Stadium s'apprête à céder. Non, hein? Quoi? J'arrive pas à y croire. Tentacule Team serait prêt à tout tenter pour poser ses ventouses sur... Ah! Mes céréales! Liquido, tout ça est entièrement de ta faute! Il faut absolument qu'on fasse quelque chose! Y a rien qu'on puisse faire, mon frère. À d'autres! C'est ton terrain ici, bon sang! Moi, jamais j'abandonnerai Strike Island! D'autant que... Je croyais que t'étais du genre à jamais fuir devant les défis extrêmes. Oh non. L'un des maps a disparu. C'est encore Tentacule Team! Prends-les! Facile, prends-les toutes! Espèce de monstre cruel! Mais t'as mangé quelle quantité de ce truc? 10 ou bien 20? Boîte à l'utotage! Sérieux? Toi, mon pote, t'es très clairement un cas unique de folie sucrière. Bon, si Tentacule Team n'a rien à voir dans tout ça, alors c'est qui? C'est nous. Quoi?
On a fait une course avec les maps. Et on s'est écrasé sur le stade. Mais vous en faites pas. Vous allez pouvoir regagner la surface. On va remettre en ordre tout ce bazar. Et comment est-ce que vous comptez faire ça alors qu'il n'y a pas d'électricité? Oh oh, on a sous la main une des sources d'énergie les plus puissantes de tout l'univers. Notre rivalité. Plus on frappera ce ballon, et plus on générera d'énergie. Waouh, ça va nous obliger à faire des trucs de ouf, ça. Ouais, mais ça vaut largement le coup. Ouais, mais va en falloir des coups encore et encore. Peut-être qu'il n'est pas encore trop tard pour remonter à la nage. Vous n'apprendrez jamais rien tous les deux. La vraie puissance repose sur le collectif. J'aurais pas dit mieux. Absolument, Norse. Nous venons à peine de recevoir une information extraordinaire. Les équipes de la Super League jouent en général pour finir en tête du classement. Mais aujourd'hui, ils vont jouer pour sauver un stade. Et il semblerait que même les fans aient eux aussi décidé de se serrer les coudes. Et on ne peut que saluer cette attitude, car aujourd'hui, les deux équipes sortiront gagnantes, ou alors les deux perdront. Powerball connecté. Et c'est parti! Les deux camps vont s'affronter l'un l'autre, mais dans un but qui leur sera commun. Oh! Et les hydres marquent. Et cette fois, c'est un but des Super Strikers. Votre attention. Accumulateur énergie 50%. Gardez le rythme. Alors ce match ne rapportera aucun point au classement de la Ligue. Pour autant, il restera comme l'un des plus grands matchs disputés ici au Floating Stadium. Ce qui n'a rien de surprenant, puisque c'est pour leur survie qu'ils se battent aujourd'hui. On est à 100%. Ça y est. C'est bon. Apportez le ballon jusqu'au terminal électrique. Ça, je m'en charge. Non, non. Moi, je m'en charge. Fais-toi plaisir, mon pote. Toute première fois de ma carrière. Là, je ne sais absolument pas quoi dire. Et que diriez-vous de... Regardez! Retour en surface du stade opéré avec succès. Perso, je dois le dire, j'en ai ras la froid, moi, de l'océan. Oh, ne m'en parle surtout pas. J'ai du mal à croire que j'ai pu être aussi obsédé par ce... Ah, tentacule team! T'avais raison, Klaus. Ces trucs sont largement meilleurs que le buffet de fruits de mer. J'adore le sucre. Hé, devine un peu quoi. Tentacule team se cache dans l'obscurité des profondeurs...
des boîtes de céréales. Non, chaud. Liquido. Tous les deux, vous avez mis une sacrée pagaille. Et... vous avez fait un super boulot pour tout remettre en ordre. Boum! On a réussi, bro. Ouais! On forme une équipe exceptionnelle, on dirait. Et sinon, quelqu'un connaît le score final ou pas? On a très clairement gagné. Oh, pitié. Si une équipe a dominé le match, c'est nous. T'as joué comme un chamouillé. Ça faisait du bien quand ça s'était arrêté. Pas un peu raconter ça au beau trophée qu'on a pour le classement de la sup... Kuncho, est-il vrai que vous envisagez de raser votre afro pour la prochaine saison de Super League? Si je faisais ça, où je cacherais mon peigne porte-bonheur? El Matador! El Matador, par ici! Confirmez-vous la rumeur selon laquelle vous auriez fondu la coupe de la Super League pour en faire une statue en or? À votre effigie? N'importe quoi! Mais je vais y penser! Norfcho, certains prétendent que vous pourriez rejoindre les Hydra cette saison. Ce que j'en dis, c'est que ceux qui disent ça ont bu trop d'eau de mer. Dancing Rasta, que pensez-vous des bruits qui courent selon lesquels Douma deviendrait capitaine des Invincible United? Ah, que de tout ce qui vient de se dire, c'est le plus improbable. Ouais, même les United ne sont pas assez stupides pour le laisser revenir. Les gars, avec cette fin de saison, la presse se déchaîne. Ouais, ils n'ont plus rien à raconter, alors il faut bien qu'ils inventent des histoires pour continuer à vendre. Ça vous étonne. Enfin, ça ne va pas durer très longtemps. Après tout, d'ici peu de temps, la Super League aura repris. L'île de nulle part. Et vos vacances, c'était comment alors? Moi, j'ai bossé sur mon nouvel album. Ben, moi, j'ai joué au football. T'as joué au foot pendant la pause? Sur ma console! Moi, vous croirez jamais ce que j'ai fait, les gars! Je me la suis donnée vraiment grave! En faisant du surf? Ouais. Tout ça m'a l'air vraiment très cool! Mais rien de tout ça ne pourrait jamais égaler! Une visite guidée des châteaux de Paphière en autocar! J'ai appris des tas de choses vraiment très intéressantes! Et est-ce que vous saviez que le roi Ludwig II de Bavière avait une jambe de bois, à ne pas confondre avec Ludwig IV, lui avait un bras en bois? Il y a aussi le roi Gunther IX qui avait un genou... C'est temps d'oublier les vacances, messieurs. T'as entendu, Klaus? Pigé. Remporter la coupe de la Super League, c'était une chose, mais conserver le titre va être beaucoup, beaucoup plus dur. Préparez-vous à un entraînement encore plus intense qu'à l'accoutumée. Oui, moi, coach. Est-il vrai que vous jetez des chaussures sur vos joueurs quand vous êtes en colère? Ah, ça en devient vraiment ridicule. Nous ne serons jamais prêts à temps pour la saison avec ces parasites dans nos pattes. Il faudrait peut-être prendre le large, qu'on continue à se préparer loin de la ville. L'idéal serait d'être totalement isolé. Et surtout, dans un endroit très luxueux. Je crois que je connais l'endroit parfait. Et... c'est où? Attache ici! Hé, ma pompe! Il faut l'avouer, ça fait du bien d'être loin des médias. Ouais, fini les caméras braquées sur nous, H24! J'espère que tu plaisantes, là! Tu es bien sûr que c'est l'endroit idéal, Dancing Rasta? Faites-moi confiance, coach. Il y a tout l'équipement nécessaire à l'entraînement. Deux terrains absolument parfaits, et ce qui est le plus important... c'est à l'abri de tous les regards. C'est l'endroit idéal pour se préparer à la saison. Pour une nouvelle, les copains!
Il m'a fallu du temps, mais j'ai réussi à trouver le guide touristique officiel de l'île d'Amieto. Ah non, pitié, il recommence. Ah, vous saviez que cette île abritait plus de 500 espèces de plantes et d'animaux différentes? Oh, comme cet oiseau étrange qui passe juste là. L'île possède une très grande diversité de plantes et d'animaux. On va se blairer ici, moi je dis. Ah, une fleur fascinante et unique en son genre. Hein? Les Super Strikers? Les Invincible United? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Laisse-moi deviner. C'est l'endroit idéal pour se préparer pour la saison? Ah, plus maintenant, on dirait. Nous disposons de deux terrains situés aux extrémités opposées de l'île. Ça ne devrait poser aucun problème. Il me semble évident que vous ne suivez pas la Super League. Si j'ai réservé ici, c'est justement pour pouvoir être tranquille. L'une de nos équipes est de trop ici. La question est de savoir laquelle. J'ai peut-être une idée. Et si on faisait un match pour savoir qui part? Douma? Alors toutes les rumeurs qui couraient n'étaient pas aussi bidons. Tu l'as vraiment sélectionné? La dernière fois que j'ai vu Douma sur un terrain, il a mangé le carton rouge qu'il s'était pris. Douma peut parfois se montrer un peu rustre et primaire, mais il est solide et très technique. Il est le capitaine idéal. Il semblerait que nous n'ayons pas vraiment la même conception du capitaine idéal. Ravi de te revoir dans la Super League, mec. Ça fait du bien de revenir. Alors qu'en penses-tu, Dancing Rasta? Les vainqueurs restent et les perdants retournent pleurer chez eux. Mais sur quel terrain on se rencontre? Ouais, qui aura l'avantage de jouer sur son terrain? Écoutez-moi, puisqu'on a l'île entière à notre disposition, pourquoi est-ce qu'on ne transformerait pas l'île en terrain géant? J'achète l'idée. Je sais que tu ne pouvais pas décemment céder face au United, mais jouer ce match sur l'ensemble de l'île... Non mais qu'est-ce qui t'a pris? On n'est pas venu jusqu'ici pour faire un mélange de cross-country et de foot. Ça demandera de l'énergie, de la tactique, un travail d'équipe. Bref, tout ce qu'il nous faut pour la saison à venir. Et puis, si jamais on gagne, on aura un gros avantage psychologique sur les Super Strikers pour commencer la nouvelle saison. Vous pouvez me croire. Si on joue en équipe et qu'on donne le meilleur, rien ne pourra nous arrêter. Et puis, j'ai un plan en tête qui nous garantira une victoire assurée. Et si vous me suivez dans cette direction, vous pourrez voir le fameux square médiéval de la ville. Le puits médiéval, l'atelier médiéval du forgeron et cette brique médiévale. Est-ce que vous saviez que... Klaus! Mon pote, y en a marre de ton blabla historique. Bien, parce que figurez-vous que j'ai pas envie de partager avec vous toutes ces choses très intéressantes. Rasta. Douma. Si on déterminait la surface de jeu? Nous, on marque ici partie nord, et vous partie sud. Et comment on fait pour différencier nord et sud? Ça alors? Vous saviez qu'il existe une fleur sur cette île qui... Pas de problème, Dancing Rasta. Un bon capitaine sait toujours se préparer à tout, non? Un golf? Pourquoi pas? Vous connaissez les règles, messieurs? C'est quoi, au fait? Y a pas de règles. Mais j'ai quand même un petit conseil pour toi, Rasta. Tâche de jamais perdre la balle de vue. Klaus, bloque-le en contournant le buis! Allez, les gars!
On met le paquet sur le Bosch. Il y a trop de monde ici. Il faut qu'on sorte de cette place. El Matador, la course folle. Pigé, capitaine. Pujo, le pont arrière. Pas de blé, mon frère. Jex, l'allée centrale. Bien reçu, Rasta. Maintenant. Bien vu, capitaine. Il est un peu tôt pour crier victoire, mec. On a encore pas mal de boulot devant nous. Vous passerez pas. On dira bien que vous avez décidé d'aller droit dans un cul-de-sac, hein, les Super Strikers. Vous n'allez vraiment pas vous adresser un seul mot, tous les deux? Et parler que par grognement? Je sens qu'elle va être longue, cette journée. Alors là, j'ai l'habitude d'échapper aux situations difficiles dans un stade, mais là, je sais pas quoi faire. Ouais, la situation n'est pas du tout comparable. Il va falloir aborder les choses différemment et se servir de l'environnement. Rattrapez-le-moi! Prépare-toi à réceptionner Shakes! Je crois bien que t'es fichu, Shakes! Shakes! Content de te voir de nouveau au sommet de ta forme! Je crois que là, je peux difficilement aller plus haut. Vous allez la taper, cette balle ? Jolie passe! Ouais! Parfois, un capitaine doit faire les choses lui-même! Ok, les gars! On est quasiment arrivés au... chaud! Ça brûle! Bah quoi? On utilise l'environnement ou pas, Dancing Rasta? Laisse tomber, Scara! Tu pourras pas me sonner! J'en ai pas besoin! On se renvoie dans le sud, le 12h! 1127. 1128. 1120. Hein? Oh. 1300. 1301. Est-ce que vous savez que vous êtes de sales tricheurs? Les gars, on aurait dû se douter que les United nous feraient ce genre de coup.
Ouais, d'autant qu'il n'y a pas de règles. Ouais, tu m'étonnes, j'avais pas remarqué. Qu'est-ce qu'on va faire, capitaine? Cette partie où tout est permis colle parfaitement au style de United. Alors nous devons nous appuyer sur nos points forts. C'est pas parce qu'on n'est pas sur un terrain que ça veut dire qu'on n'a aucune stratégie. Alors, écoutez-moi, on va montrer au United pourquoi on est les champions. 1, 2, 3, Super Strikers! Pour commencer, il faut qu'on joue la carte de la surprise. Ensuite, l'un des fameux tacles dont Brock a le secret. Ensuite, Pucho mobilisera son art de la balle liftée pour frayer un chemin à la balle. Enfin, Shakes terminera l'action avec sa technique de dribble sur le gazon. Ah! Oh, un trou en un. Allez, on fonce, les gars. Super! Capitaine, Dancing Rasta est en train de te ridiculiser. Ne t'en fais pas. Ils vont exactement là où je veux qu'ils aillent. Hé, hey, les gars, je crois qu'on a semé les United. Mais ils étaient juste derrière nous. Relax, Cap. Les gus ont sûrement jeté l'éponge. Ils ont sûrement déjà rentré faire leurs bagages pour prendre leur avion. Peut-être. Oh, waouh. La voilà. C'est la fleur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous saviez que cette fleur se met dans... Klaus, on n'a pas de temps à perdre à t'entendre de raconter des histoires de fleurs. Une minute, les gars. Tu allais dire quoi, Klaus? Cette jolie fleur se met toujours face au nord. Ah. S'il y a une chose que je sais sur l'art d'être un bon capitaine, c'est qu'il faut écouter son équipe. Pitié, que quelqu'un dise quelque chose. Faites quelque chose, n'importe quoi. Non, 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 non. Allez les gars, on y est presque là. Et enfin, qu'est-ce que vous venez faire là? Ils ont foncé dans mon piège comme un seul homme. Quoi? Rasta. Un bon capitaine a toujours plusieurs coups d'avance. La boussole. Exact. On l'a trafiqué. Nord et sud ont été inversés. Pendant tout ce temps, vous avez apporté la balle jusqu'à vos buts. Échec. C'était malin, Douma. Mais tu n'as pas suivi tes propres conseils. Oh, vraiment? Et c'était quoi ce conseil, hein? C'était ne jamais perdre la balle de vue. Il est où? Je n'ai pas besoin d'une boussole pour savoir où se trouve le nord. Ouais, le ballon se dirige droit vers vos buts. Échec et mat. Un squash? Avec choix. T'es doué comme capitaine, tu sais, Douma. Ouais, toute ton équipe te suit, chez vous. Hé, les United, est-ce que vous saviez que c'est sur cette île que... Les Strikers vous ont collé une belle raclée. Vous n'allez même pas vous dire au revoir. Allez, dites au revoir. C'est facile. Au revoir. Vous voyez? Oh.
Vous le faites exprès pour me miner le moral, avouez. Je me trompe. Bien joué, Rasta. Affronter les United a permis de motiver l'équipe. Mais une longue saison nous attend toujours. Ouais, le véritable défi vient à peine de commencer. Ça vous fait quoi d'être de nouveau au poste de capitaine des United? Pas de commentaire. Est-ce qu'on pourrait savoir où vous étiez durant ces derniers jours? Pas de commentaire. Alors vous niez avoir participé à des expériences dans un labo gouvernemental ultra secret? Pas de commentaire. Et vous niez vous aussi qu'on a greffé à chacun de vous des jambes bioniques? Vous voulez vraiment savoir où on était? On participait à un tournoi de cross-football contre les Super Strikers sur une île loin des regards, ça vous va? C'est ça. Et vous croyez qu'on va gober ça, franchement? Est-ce que vous nous croyez vraiment aussi crédules?